Et salut tout le monde, c'est MissBigGirl45 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture. Et je serai bien sûr accompagnée de... Mister BBoy45. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bon oui, ça va très bien, parce que là on va ouvrir le nouveau set qui vient de sortir Pokémon. On est parti, on va ouvrir Force Temporelle EV05, Écarlate et Violet, donc le set numéro 5. C'est très 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 important, parce qu'il marque un changement de rotation pour les joueurs. Et qu'est-ce qu'une rotation? En bas de chaque carte Pokémon, il y a une lettre A, B, C, D, E, F, G, H, etc, etc. Là pour l'instant on est à la lettre G, et toutes les lettres E disparaissent. Une rotation c'est tous les ans, et c'est la lettre d'il y a 2 ans. Donc tout ce qui était évolution céleste jusque 1 an auparavant d'évolution céleste n'est plus jouable dans le TCG. Donc oui, reine de glace, style de combat, etc, etc. C'est donc un set extrêmement important. Il va venir aussi avec ses nouveautés, d'autres Pokémon de temps passé et de temps futur, et surtout le retour de cartes qui avaient existé à l'époque de Noir et Blanc, les Ace Spec. Donc ça va être des cartes magnifiques. J'espère qu'on en a au moins minimum une dans chaque display. Ouais, j'espère aussi. On va ouvrir une display, donc 36 boosters. Ça va nous permettre de voir les taux de loot. Est-ce qu'on a toujours 2 alternatives? Est-ce qu'on a toujours 2 full art minimum? Est-ce qu'on a toujours 3 AR? Est-ce qu'on a toujours une A-Spec? À savoir que le set juste avant Faille Paradox, ils avaient un petit peu réduit, évidemment, le nombre d'alternatives. Il y avait même des displays sans alternatives. Il faut savoir que les gars, là il y a un combat entre Sophie et un moucheron, et c'est n'importe quoi. Bref, d'ailleurs Sophie va participer à l'international, les amis, de Pokémon à Londres. Voilà, c'est juste sous le mondial. Donc c'est pour vous dire à quel point on est vraiment investi dans le jeu de cartes Pokémon. On est hâte d'ouvrir celui-là surtout. Mais bien sûr, on n'est pas que collectionneur, on est vraiment à fond dedans, on est matrixé par ça. Donc terminer les VMAX, oui, littéralement terminer les VMAX, voilà, avec la lettre VMAX. E, c'est-à-dire New VMAX, etc., oui, etc. Et terminer aussi en jouabilité les lettres jusqu'à Évolution Céleste, tout simplement. A savoir que le set après Évolution Céleste, c'est Star Étincelante, et Star Étincelante, c'est déjà une nouvelle lettre. C'est donc la lettre F. Donc F et G seront officiellement les seules cartes jouables. Ceci dit, si vous avez une carte G, qui est par exemple Super Bonbon, et qui est à l'époque de E, A, B, C, D, E, vous pouvez garder vos cartes de A, B, C, D, E jouables pour, si vous les trouvez, voilà, si vous les trouvez plus belles, si c'est la même description, il n'y a pas de souci, vous pouvez continuer de jouer avec. On est parti, on a fini de blablater, désolé d'avoir pris autant de temps, mais c'est un set très important, encore une fois, vous l'aurez compris, pour les joueurs. Et pour la rotation de cartes. Vous avez donc sous vos yeux la présentation de l'art set complet, évidemment. On a les noms, donc il y a Raikou, temps passé. On a Suicune, temps passé. On a Viridium et... je sais plus comment il s'appelle, le dernier, en temps futur. On est désolé, on n'a pas encore les noms, étant donné que c'est la première fois qu'on voit ces Pokémon, et moi je n'ai pas joué à Écarlate et Violet, le jeu vidéo. Donc on n'a pas les noms de tête. Je crois qu'il y a Serpando, un truc comme ça. Bref, on va découvrir de toute façon, pas de panique là-dessus. On a très très hâte de découvrir toutes ces cartes-là. On a la display ouverte, on est parti pour 36 boosters. On s'entraîne énormément sur TCG Online. TCG Live, plus précisément. Allez, on y va. Je suis super super hype. Pikachu. Allez, déjà Pikachu, ça commence très très bien. Elle est très belle, hein. Ouais, elle est cool. Elle est hein. Très très cool celle-là. Hein. Un sécateur, désolé pour le téléphone. Gripat. Marill, ah, qui est en psy du coup. Ouais. Tangalis. Le dévouement de Bianca. Je sais que Sophie c'est plus fort que toi et non, tu vas vouloir lire les dresseurs. Mais pas de panique. Symbios, qui est très très belle. Ah, c'est elle ou l'alternative est jolie, je ouais, crois. Ouais, l'évolution de Nucleos, c'est vrai que la Nucleos AR est magnifique. Alors. Allez, doucement, doucement, parce que là tu peux avoir un hit, je le rappelle, hein, dès la première, la deuxième et la troisième. Enfin, dès la deuxième et la troisième pour le coup. Et on va commencer par une holo. Retour d'Alligator. Alligator, très content que le starter Gen 2 revienne. Ouais, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui. Hein. Clairement, ouais. Et on part sur du Abo, qui est très mignon aussi. Allez, Abo. C'est le retour d'ailleurs Abo Arbok à jouer. Tortipousse. Tortipousse. Encore un starter. Medina. Oh, elle est trop bien, Topico. Cette carte. Elle est trop trop cool. Topico, il y en a un qui se demande ce qui se passe. Le décodage de
cryptomane. De décryptomane. Nathan. Oh, capsule. Bah attends, c'est la même. Ouais, ouais, ils ont ressorti la même. Bah pourquoi? Bah parce que il y a des Pokémon c'est... de temps passé, temps futur, donc ils ressortent. Ah oui, mais autant dire du EV4 en fait. Oui. Elle est dans EV4, elle, non? Non, elle est. Dans EV3 Paradox. Aussi. Ah d'ailleurs, attendez, on en profite. J'en profite deux minutes. Montre-leur la lettre en bas de la carte, Sophie. Du coup, les nouvelles, elles seront H. Montre-leur. Voilà. Du coup, c'est ce qu'on vous disait. G, c'est ancienne, et maintenant on est passé à H avec EV5, c'est ouais. EV5 qui marque bah les oui, premières. C'est la rotation. Voilà, la rotation, donc ils ont remis G parce que G c'est dans 4 ou 4.5, voilà, et H Paradoxe. Évidemment, donc voilà, c'est ça la petite lettre. Si vous avez E et en dessous, donc A, B, C, D, E, vos cartes ne sont plus jouables, sauf si vous les retrouvez dans G et H, évidemment. F, G et H. On est parti. Donc, capsule énergie. Rockabot Reverse. Oh, un saut lourdo. Et une holo. Oh, épine de fer. Épine de fer, vous l'aurez compris, qui est tyrannocif du temps futur. Voilà. D'accord, ils l'ont appelé. Épine de fer. Bah, tu vois bien que c'est tyrannocif. Tu l'as oui, reconnu quand même. Oui, oui. Elle est très le stylée. Godzilla. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et donc, il est. À noter qu'il est comme espèce Delta, il est électrique, celui du futur. Troisième booster. Très, très. Sont très belles. Les holos, par contre, de Écarlate et Violet sont vraiment cool. Allez. Lowsor, j'aimais pas du tout les holos de Épée Bouclier. Voilà, je Kifeuille. Tenais à dire. Oh, ouais. Non, mais c'est important de le dire. Chinchidou, pâte à modeler. Ça, c'est pour moi. Faut le mettre de côté, les Chinchidou. Lucanon. Fort Ivoire. Ouais. Elle est très stylée, celle-là. Ouais, elle est jolie, hein. Salvio. Gribat en reverse. Dauphin. Oh, allez, on commence avec une première ex. Et c'est Scovilin ex. Super. Allez, premier hit. Une ex, Scovilin. Allez. Boumata. C'est un nouveau, lui. On ne connaît pas. On l'a jamais vu, Boumata. Oui, oui, non, c'est vrai, on l'a jamais vu. Boumata. Oudout. Taral. Teral. Champignon. C'est cool aussi, d'ailleurs. Et ils ont vraiment fait un effet, tu sais, avec Drayol. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ouais, l'effet ouais. Un peu... Non, mais elle est très très cool. Financière. Garde de fer version 7.8.9.12, mais qui est très très belle par contre, ceci dit. Mais elle est cool, garde. Mais garde de fer, on l'a en holo, en ex, on l'a en tout Terra Cristal. Lance de sauvetage. Allez. Rubambelle. Petite part de Rubambelle. Montracite. Bah, c'est un nouveau aussi, ça. Doucement. T'en sautes toujours une. Voilà. Minito. Bah, c'est Minotaupe. Minotaupe. J'ai des problèmes aujourd'hui. Oui, oui, oui. Je oui, pense oui. Que c'est la fatigue. Non, mais la fatigue aussi, Bichette. Je... Hein. Honnêtement, c'est la fatigue. Oh, Flotte elle mèche. Est super cool. Ouais. Flotte mèche. Donc, ça, c'est. Vraiment côté sombre, elle est cool. De temps passé, comment il s'appelle celui qui flotte oui, là. Oui, je vois pour rêve, non ouais, c'est ça. Si, c'est donc, ça. Très très cool cette holo. Très très simple. Flotte mèche. Et on passe sur le 8ème booster. Pas du tout, même. Et c'est Meltan. Meltan. Fait de la peine, c'est pas ah, d'ailleurs, on a oublié de dire, il y a 162 cartes. Donc, c'est un ouais. Set beaucoup plus raisonnable. Hein, ouais. Si jamais que les deux derniers sets. Hein. Trop cool la Kaiminus, sa mère. Hein. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Trop trop cool. Il y a que 162 cartes. C'est pour ça qu'on tombe déjà sur pas mal de doublons. Vivaldin. Galopa qui est très très belle. Toutes les Galopas sont vraiment ouais, belles, je trouve. Fulgudog. Attention. Bourinos. Ah, bah c'est celui-là que les gens ont parlé, le retour. Oh, une Ace Pack. Let's go. J'aimerais beaucoup la Master Ball. Ouh. Allez, régale-nous. Le tambour éveille temps passé. Donc, c'est pour les Pokémon temps passé. Bah, c'est très bien pour un deck, par exemple, Rugilune. Oh. Donc, ça prend la place de la première. Reverse. Trop, trop cool. Ça prendra donc pas la place d'une AR ou d'une alternative. Alors, ça. J'adore. C'est cool, hein, les allez, le tambour, vas-y, l'air. Lis la description peut-être, si on y arrive à deviner. La dernière là. Ouais, de l'air, bien sûr. Ouais, ouais. Alors, les Aidem, ouais, qui prennent leur forme automne, sont connus pour leur agressivité. C'est une des meilleures cartes. C'est la petite bichette avec la fleur jaune.
dans la forêt avant son évolution ou après. Voilà, c'est la maman. Elle est trop stylée, Aiden. Et t'as son AR juste avant qui est dans l'autre partie de la forêt. Elle m'a l'air épaisse la carte. Montre bien s'il te plaît, juste montre-leur les donc Aspect, le retour des cartes noir et blanc. Et oh non, elles sont magnifiques, elles sont trop trop belles. Il y en a une seule autorisée par deck. Et donc elles ont des coups assez, elles ont un talent assez puissant. Et là nous avons Aiden, c'est ça? Aiden? Aiden, parce que c'est un din, voilà, tout simplement, ouais. c'est le din. Et là nous avons Melmetal. Melmetal, alors là très contente, j'adorais ces AR, je veux plus que la petite et je suis ultra heureux. Ça, vraiment, c'est une très très belle AR. On est parti. Oh, je suis trop content. Donc, les Aspect prennent pas la place d'une AR ou d'une alternative. C'est plutôt très bon signe. C'est donc en avant-avant-dernière carte. On peut donc avoir le triple hit, en fait, le triple hit. C'est-à-dire Aspect, AR, comme on a eu, et Full Art en plus derrière. Ou Aspect alternative. Allez, Chinchidou. Ah, je suis trop hypé, les gars. Les gars, on est comme des gamins, là, face au set. Sophie, elle va passer sa nuit à checker chaque carte, hein. Roue de fer. Oh, c'est ça. Oh, le pauvre copain qui finalement remplace le passe combat VIP. Ouais, faut remettre de côté. T'as un fouet pour les petits comme vous, moi non, par contre, ça marche. Lugaroc. Charlie. Meltan. Et Vivoureur. Allez, on est parti. Pomme de pique. Mistibule, Meditica, guide d'exploration, Meditica, Montracite, ouais. Oh, jungle périlleuse. Nouveau stade, Abo. J'espère qu'il y a d'autres Aspect, évidemment, dans la display, dans une display, Mesra, au moins deux Aspect, quoi. Oh, une autre ex, super. Cisayox ex, qui est très stylé, par contre. Ouais. Elle est bien agressive. Je préfère cette Cisayox X que la Cisayox X de XY. Ok. Voilà. Hop. Super. Allez, on est bon. Et Charby. Charby. À Flamanoir. Bah, je crois que je cherche sa tête à lui. Ouais, je sais plus. Toudou. Comment ceux qui ont un long bec là qui vont dans l'eau les et tapis. Tout, c'est... Ouais, voilà. Vol toutou, mais ils vont pas dans l'eau. Matoufeux. Non, mais qui vont, pardon, pas dans l'eau, mais dans les. Trondard. Voilà. Tondeuse de main. Hop, voilà, sacré tondeuse, hein. Beraska, qui est très sympa. Même si ça reste une araignée, que je déteste les araignées. Oh, une Aspect, let's go! Ok, deux Aspect minimum par display. Attrape ultime cette fois. D'accord. Eh ben écoutez, très 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 content en tout cas, et elle est magnifique, on vous laisse lire le sort. Bon, au moins deux Aspect par display. Ouais. Donc c'est comme les radieux, ça remplace les radieux, je dirais 2-3 Aspect, ça serait incroyable par display, 3 ça serait superbe. Ok, attrape ultime. C'est bien, c'est un genre de... Doucement, parce que tu peux avoir quelque chose. Bon. Malheureusement, non, pas cette fois. Et Coraidon encore, holo. Bah elle est cool la carte de Coraidon. Et Larvibule. Larvibule, belle de neige. Noirfang. Tiens, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu lui aussi. Noirfang qui est très stylé là. Oh, crocodile. Crocodile, forcément. Hein. Ah. Pas de Typhlosion malheureusement. Le Labo Métal pur. Golemastock. Shaymin qui est très belle. Il y a beaucoup d'holo qui mériteraient d'être holo. Les boules et roues. Qui mériteraient d'être holo. Les boules, les roues. Oh, une AR, let's go. Oh, excellent Gaer. Franchement, elle est cool la carte. J'aime bien quand ils font des trucs comme ça. Ouais, donc je suppose que ça se continue. Elle se continue aussi, à mon avis. Allez, deuxième AR. J'ai peur, hein, pas une seule alternative, pas de go. Attends, il reste plein de boosters. J'ai peur. Allez, on est parti. Moi, le seul truc que je lui reproche, c'est un peu son deck, mais par contre, les alternatives sont folles. Hein. Coup de langue. Métang. Où sont Métang? Bagomine. Boscara. Boscara, un starter. Fortress. Lucanon. Ok. Latias. Topico. Quand c'est Topico.
Miss Dibul. Oh, une ex. Et Hydrefoudre. Hydrefoudre. Hydrefoudre ex. Donc, c'est le Reiku de temps passé. Voilà. C'est celui qui a un long cou, c'est ouais, ça? Ouais, on dirait une girafe. Ouais, c'est celui qui a un long cou et qui rappelle énormément Horizon, le jeu vidéo. Voilà, voilà. Donc, Hydrefoudre. Très bien, c'est cool. Allez, pomme de pique. Pomme de pique. Mistibul. Meditica. Boumata. Capsule. Capsule. Les pauvres copains copains. Les... Ouais, pauvres copains copains. Pour de faire. Ah bah enfin Capsule. J'allais dire, les dresseurs rivers n'existent plus. Oh Pelage Chablé qui revient. Très bien, en version. Oh. Allez, une foula. Oh, Pelage Chablé, il y a description. Ah bah vas-y alors. Oh, oh super Persan. Très content. Donc, feu Persan concernant, donc il y a Hydrefoudre pour Reiku temps passé, feu Persan pour le temps passé de Entei. Très belle full art. Honnêtement, là, je pouvais vraiment pas rêver mieux. Son alternative, d'ailleurs, dans la jungle est juste exceptionnelle. Ouais, elle est trop belle. Première full art, mets-la à gauche. Hein. Et c'est parti. On part sur du Insecator. Grille-patte. Maril. Gringolem. Golem à stock. Shaymin. Décodage. Oh, Nifli. Oh, Meltan en AR, très sympa, très sympa, en très réaliste aussi un peu de la carte. Hein. Allez, la troisième AR. Bon, niveau AR, rien ne change. Ace spec, ça se rajoute. Pour l'instant, plutôt très heureux de ce qui tombe là. Honnêtement, et dire Sophie qu'à une époque qui a duré longtemps. Hein. Les seuls hits d'une display, c'était 6 maximum. 6 hein. À 8 hits maximum. Hein. Allez, Skitty, Electek. Donc, noir et blanc, XY. Waouh, c'était dur, hein, les débuts d'XY. Hein. Girafarig. Là, on se rend pas compte, mais on est régalé. Hein. Première fois. Ouais, bâton de masse. Oh énergie brume. Aussi. Première fois aussi, superbe. Non, en plus, il m'en faut. Nous, on adore les dresseurs. Pelage Chablé. Noir Fang, doucement. Oh, une alt. Ah non, oh non, c'est que tu l'avais mal pris. Passe. Boscara. Boscara. Et Flotte Mêlée. On a déjà eu. Flotte Mêlée. Non, Flotte Mèche. Flotte Mèche. Oui, c'est ah Flotte oui, Flotte Mèche, pardon. Roselia. Bombidou. Bombidou. Rototo. Les Boulerous. Les Boulerous. Neitram. Neitram. Galopa. Fulgudog. Dégueulasse la carte, par contre. Gringolem. Attention. Nucleos. Oh, une autre AR. Non, ah non, une ex, pardon. Excusez-moi. Oh, bah feu Persan version ex. Allez. Son alternative était cool. Ouais. Oh, elle était magnifique. Et c'était d'ailleurs Pijaco. La plus chère. Pijaco. Doudouvé. Tatoudouvé. Anthony Carvana. Abo. Abonne-toi. Pashmiya. C'est la première qu'on a. Ouais. Et ça, il m'en faut plein. Tu la mets de côté. Ténéfix. Ténéfix. Fort Ivoire. Charpedo. Ça me fait peur. Hein. Oh, oh, une gold. Bon, bah, ça remplace une alt. Oh, Serpento. Voilà, Serpento. Bon, ça remplace une alt. Mais j'espère qu'il nous reste. On a encore une alt à aller chercher quand même. Hein. On a l'impression qu'ils ont fait des dinosaures. Tu sais? Bah, c'est temps passé, oui, bah, c'est totalement inspiré là, on dirait de dinosaures, bien sûr. Comment? Un Vélociraptor? C'est totalement inspiré de dinosaures, donc c'est le Suicune temps passé. Hein. L'autre, on dirait le. Bon, c'est pas une alt. Aïe, aïe, aïe. Les golds, c'est pas spécialement ce qu'on veut, ça remplace une alt, mais c'est pas une alt. Mais bon, c'est pas dégueu non plus. On aurait pu avoir une en gold. En vrai, par bien contre, pire. Elles sont belles les golds là. De toute façon, on les veut toutes, oui, j'aime beaucoup. Tu sais, des fois que ça me fait peur là. De. Parce que je me dis dans tout ce qu'on a ouvert. Ponyta. De toutes les cartes qu'il me faut, on n'en a qu'une exemplaire. Et pourtant, c'est des communes. Hein. Pijaco. Pijaco. Doudouvé. Anthony. Carvana. Bourinos. Eh, on n'a pas la petite non. Évolution. Et il est fan de ça, Lapinou. Oh. Oh.
trop cool. Aidin. Bah, ah ouais. Oui, oui, avait... Ah, je pensais que c'était la déco, moi, derrière. Non, ah, non, des non. Feuilles. Frissoni. Oh, la gueule. Latia, superbe ça. Pas sûr qu'il y ait oh, extra cristallisé. Sombre. Oh, Farigiraffe. Farigiraffe. Farigiraffe en terra cristallisée sombre. Bon, on a la première extra cristallisée. Il y en a une, deux maximum. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Très content. Allez, il reste 8 boosters en comptant celui-là. Allez, on part sur du dauphin. Dauphin. Un solo. Un solo bourdo. Oh, Frissoni. C'est la première fois qu'on l'a, hein, Frissoni, ouais. Là. Pikachu, là, c'est la troisième fois. Beraska. Fortress. Labo Métal Pur. Girafarig. Scolossandre. Oh, Un dresseur. Superbe. Alors ça, par contre... Oh, conviction les de convictions de Mortimer. Mais on l'a jamais eu, lui. Eh ben, très cool. Oui, on l'a pas eu en normal. Ouais. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on va pas se plaindre, hein. Bah, ouais. Bon. Pour l'instant, de Full Art, on est dedans. Abo. Tortipus. Medina. Topico. Jungle Périlleuse. Déplaisant. Colossant. Allez Sophie, fais-nous rêver s'il te plaît, c'est maintenant. Pifeuille. Je me déplace pas pour rien. Je me déplace pour rien. Il Marie. Reste que 3 boosters derrière les amis, ça sent pas. Et Rugilune. Rugilune, deuxième Rugilune. Et on part sur du Granipot. Oh, Kaiminus. J'ai la trouve tellement belle celle-là. Ouais, elle est très très cool. Elle me rappelle celle de Expédition à l'époque, bizarre. Rochigeon. Symbios. Le guide. Guide d'exploration, ouais. La Thias. Je crois que c'est Alligator. Oui. C'est bon. Punaise AR, merci, il y a deux alternatives. On lit la description. Ah non, il y en a. Bah non, il y en a pas, c'est une alt. Oui. Oh oui, je crois savoir c'est laquelle. Ouais, je crois que c'est Suicune. Ouais, Suicune ou Entei. Vas-y, c'est vas-y, Serpando. Vas-y. Oh non. Ah non, pas du tout. Prédiction. Elle est très stylée quand même. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Tu sais, Arceus, ouais. Ça faisait ouais, ouais, ça. Ouais. Palkia Dialga plutôt. Quand il partait sur les côtés, Arceus au milieu en Gold Vesta. Quel beau. Bah, tu vois, mon dernier booster. Hein. Ouais, 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 ouais. On va vous la montrer un petit peu plus, mais elle est belle. Hein. Elle est très, très belle. Hein. Bon, on la veut pas deux fois par contre, parce que maintenant on va vouloir le reste, mais une Pokémon alternative. Quel bonheur. Waouh. Ah, elle est stylée. Ah, elle est stylée, les couleurs et tout choisies. Ouais. Elle est stylée. Ah, on est content, les amis. On est très content. Allez, dernier booster. Dernier. Voilà. Là, c'est du bonus. Et on part sur du Arbok. Arbok. Granulure qui est très stylé. Ouais. Kaiminus. Vivaldin. Bon, je crois que tu n'as rien super là. Super dauphin. Super dauphin, première fois, non ? Néfi. Néfi. Ouais, super dauphin, ouais. Montracite. Pomme de Bic, Spectrum, et Alligator. Et on finit sur un Alligator. Bon, écoutez, alors, voilà les hits qu'on a eus. Écoutez, on est largement dans les clous. On a eu 5 ex normales, une extra cristallisée. On a eu 3 AR, donc normal aussi jusqu'ici. 2 Ice Pack qui viennent se rajouter à une display, donc ça fait extrêmement plaisir. Les Ice Pack, je rappelle que c'était les objets de noir et blanc, voilà, qui reviennent texturés, système holo qui est vraiment stylé, et un par deck. 2 Full Arts, voilà, qu'on a eu, donc un Pokémon et un dresseur, c'est très très cool. Et 2 Alternative slash Gold, donc on a eu Serpentot et Vert de Fer. Donc... Honnêtement, on est dans les clous, largement. Ils ont fait mieux que Fight Paradox, ils ont rajouté un peu de bonheur. Voilà, ils ont rajouté un peu de bonheur avec les Ice Pack. Donc EV5, je peux le dire officiellement, ça va être un bonheur à ouvrir. Giga IP. Bon, on va étudier les cartes de nos côtés, on espère que cette avant-première de Force Temporelle vous a extrêmement plu. Moi en tout cas, elle m'a plu, on vous dit à bientôt. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Sophie, mot de la fin.
Et ben, je vous dis à une prochaine. Bye bye.